Merci d'être venu ici à guinematin.com. Pour commencer, présentez-vous à nos téléspectateurs et auditeurs. Ah, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Abdoulaye Breveté Diallo. Et premier chanteur de Super Télévision de Télévision d'Antan. Moi, je m'appelle Kiba Kouyaté, chanteuse de l'orchestre de Télimélé Téléjazz. Pour commencer, on sait que vous avez égayé la préfecture de Télimélé par-delà la Guinée tout entière et par votre orchestre de Téléjazz. Parlez-nous-en un peu plus. Ah, je crois que bon, le Téléjazz a été un orchestre qui a brillé dans le vrai sens du mot. De 64 hein, jusqu'à la dernière minute, le Téléjazz a été un orchestre combattu par tout le monde. Mm-hmm. Surtout les Guinéens de Conakry, les Guinéens de par-ci, par-là. Et en dehors de la Guinée, on était sollicité dans tous les pays proches. Et les pays frontaliers. On a fait la Sierra Leone, le Nigeria, la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mauritanie, ainsi de suite, un peu partout. Je crois que le Téléjazz a été un orchestre digne de nom, qui a quand même fait danser très bien la jeunesse de Téléjazz dans son ensemble. Comment en êtes-vous arrivé là? C'est-à-dire, parlez-nous de vos débuts et ce que fut le Téléjazz. Comment l'orchestre a été créé? Il fut un temps où le Téléjazz n'avait pas de chanteur. Le premier chanteur était décédé. C'était le nom de Kamel, Mamadou Kamel Diallo. Il était saxophoniste chanteur. Alors, c'est ainsi qu'ils ont cherché dans les classes à l'époque, des jeunes pour les recruter et les former au niveau de l'orchestre. C'est ainsi qu'ils sont venus. Moi, je faisais la 7e année à l'époque. L'année? La 7e année. Mmh. En quelle année? En 77. Mmh. Non. En 67. En 67. Mmh. Ils ont passé dans les classes, ils ont pris deux personnes. Un certain Bouba et moi. Nous sommes allés à la permanence, l'orchestre était installé là. Tu fais un morceau, il te fait passer, tu chantes, il t'accompagne. Comme ça, si ça correspond un peu, on dit bon de te mettre à côté, et si je suis ainsi que nous ont pris. Et le seul qui avait quand même pu être d'accord avec eux, c'était moi. C'est comme ça que je suis rentré dans l'orchestre. D'accord, vous constituez un groupe, vous avez tous égayé le public. Madame Djiba Kouyaté, vous aussi, comment est-ce que vous êtes parvenu? Comment est-ce que vous avez pu intégrer le Téléjazz? Parlez-nous de vos débuts aussi. Je chantais à l'école, dans les ballets de l'école, dans les chœurs de l'école. Le quartier, c'est sur scène, ils m'ont vu. Moi aussi, j'étudiais, j'étais à l'école. Ils m'ont vu à l'école, ils sont partis me chercher, me dire d'intégrer l'orchestre. Qui? Particulièrement, c'est M. Ali Kania Bangoura. C'était lui le chef d'orchestre. C'est lui qui est parti me chercher, me prier d'intégrer l'orchestre. J'étais la seule femme qui chantait dans l'orchestre. J'ai intégré, on a vraiment fait beaucoup de choses ensemble. On a fait des voyages partout par là, par-ci, par là. Mm-hmm. Le Téléjazz, c'était un orchestre qui était écouté par le monde entier. Ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas la Guinée seulement, c'était le monde entier. Le soir, quand tu écoutais le solo mondial, c'est le morceau qu'on mettait tous les soirs. Chaque soir, on mettait le morceau de Téléjazz. Moi, j'ai abandonné mes études à cause de cet orchestre. En quelle classe? Je faisais la 12e. J'ai échoué au bac. En ce moment, le bac, c'était en 11e et en 12e. Première partie et deuxième partie. J'ai échoué la 2e partie. Mm-hmm. Maintenant, je ne pouvais plus continuer parce que je pouvais voyager avec l'orchestre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je ne pouvais pas étudier avec ça. C'est à cause de ça que j'ai abandonné mes études. Mais avant,
l'ancien gouvernement, ils nous ont pris en charge. La première République. La première République nous a pris en charge. Ils nous payaient chaque fin de mois. Parce que notre orchestre, nous, on contribuait au budget préfectoral. Le budget préfectoral, c'est notre orchestre, était compté sur notre orchestre. À cause de ça, tous les membres de l'orchestre qui n'étaient pas fonctionnaires étaient fonctionnaires. Moi, j'étais au TP, oui. Contractuel au TP. Breveté était aux finances. C'est quand la Deuxième République est venue, ils nous ont abandonnés. Alors, dites-nous, quels bénéfices concrètement avez-vous tiré du téléjazz? Moi, personnellement, nous avons tiré beaucoup de choses de bonne foi, surtout la bonne formation. Vous savez que la musique, c'est la formation de base qui compte beaucoup. Quand tu es bien formé, partout où tu iras, il n'y aura aucun problème. Nous avons eu une formation très solide. Alors, on ne peut pas nous parler de solfège musical et autres. Nous avons tous appris cela. Tous. Alors, nous avons quand même, c'est une bonne manière. Parce que vous savez maintenant, les artistes, dès que tu chantes un morceau, c'est fini, on dit que tu es vedette, c'est fini, ils ne connaissent rien. Et c'est pourquoi c'est très dit, nous et la dernière fédération, là, nous sommes très différents. Parce que nous, d'abord, c'est la discipline. Tout ce que tu fais, s'il n'y a pas de discipline, c'est nul et non avec. Et nous étions disciplinés. Parce qu'on se soumettait. On était des artistes du peuple. On faisait tout rien que pour le peuple. Raison pour laquelle nous avons subi une formation très correcte et très profonde. Partout où nous irons des artistes qui méritent d'être artistes. Voilà. D'où est venu le nom Breveté? Ah, Breveté, j'en ai trop parlé. À la télévision, presse écrite et tout. On m'a surnommé Breveté, je n'étais même pas au collège encore. À l'époque, je faisais CM2 pour moi, une deuxième année. Sixième. Voilà. J'avais eu le bac, c'est écrit breveté. Alors, quand le maître rentre en classe, il dit breveté au tableau. C'est comme ça, je dis le nom breveté, je n'étais même pas au collège. Mais quand je suis allé au collège, bon, quand on venait au festival, j'avais mon ami Justin Morel qui dit bon, voilà, maître breveté qui a fait 10 fois le brevet. C'est pas une réalité. Alors, Madame Diva Priaté, quel bénéfice avez-vous tiré du téléjazz? J'ai tiré beaucoup de bénéfices dans ça. Mm-hmm. C'est grâce à l'orchestre de téléjazz. Partout où je vais, je dis Diva Priaté de téléjazz. On me reconnaît à travers ça. À travers ça, j'ai été jusqu'en France. J'ai eu des contrats pour la France, j'ai été. C'est à travers ça. La base, c'est l'orchestre de téléjazz. J'ai reçu des bonnes indications avec mes aînés. Parce que moi aussi, les brevetés étaient mes aînés. C'était mes grands frères. Quand je suis rentrée, jusqu'au moment que l'orchestre a été disloqué, il n'y a eu jamais de malentente entre nous. On voyageait ensemble, on rigolait ensemble, on faisait tout ensemble. Il n'y avait pas de querelle, il n'y avait rien de mauvais entre nous. Grâce à ça... Qui composait la musique? Comment ça se faisait? La musique, je peux dire qu'on composait ensemble. Quand tu amènes un morceau, tu amènes l'air du morceau. Maintenant, chacun apportait son grain de sel. Chacun apportait. Quand tu viens, tu chantes, tu peux prendre, tu amènes un morceau comme ça, tu chantes. Par exemple, notre morceau, Diba, qui a donné un grand succès à l'orchestre, c'est Breveté qui était l'auteur. C'est lui qui est l'auteur de ce morceau. Mais le morceau-là a été composé par tout le monde. Là où lui et moi, on se changeait les paroles, c'est un chauffeur, le chauffeur il s'appelait Maître Ngara.
c'est lui qui a initié ça. Il nous a dit de parler. On va se changer des paroles. Avant, on va voir. Prévété m'a appelé, j'ai répondu. On a fait un dialogue. Ça a passé. Sinon, tous nos morceaux, c'est une personne qui amène un morceau, qui amène le morceau. Tout le monde maintenant, on s'assoit parce que nous, les répétitions, c'était. Dans la semaine, on faisait 4 jours. Tous les jours, on répétait. Tous les jours. Nous, ce n'était pas dire quand on veut voyager, on répète. Nous, on avait 4 jours dans la semaine. On faisait des répétitions à la charge de la préfecture. Vous pouvez nous faire ce dialogue que vous avez changé dans la chanson. Eh oui, vous êtes là tous les deux. Merci. Si nous sommes prêts, est-ce que les temps sont les mêmes? Est-ce que les cordes sont toujours les mêmes? Vous savez que bon, la musique, hein, les cordes vocales, c'est comme des instruments. On travaille. Ça se fatigue. Ça se fatigue. Mais pour moi, c'est pas fatigué d'abord. On tient quand même. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre carrière musicale, notamment au sein du télévisage? Vous dites? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre carrière musicale? Oui, ce que vous retenez de votre carrière. Ouais, bon et en mauvais. C'est ça, c'est que nous avons subi beaucoup de choses, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. Vous savez que le temps est synonyme de variation. Ça varie. Mais je peux dire que nous avons eu plutôt le bonheur que le malheur. Mais pour le mal que nous avons eu, c'est le fait que nous avons perdu beaucoup de nos amis qui ont formé le téléjazz. C'est pour la première formation du téléjazz. Ceux-là qui ont subi une formation de 6 mois à l'ex-Camboire aussi. Ils ont fait 6 mois de formation. Nous les avons trouvés dans le téléjazz. Ça, c'était la première formation. Ouais, il faut citer certains. Il y avait le doyen sur le Godo, Sadio Kanté, Ansou Silva, et Canel Diablo, et Sidi Baldé, qui faisait basse, et Aboubakar Kouyaté, qui est décédé l'année dernière, je crois. C'était les 6 là. Ils sont tous décédés? Ah non, il reste 2 parmi les 6. Il reste 3. Il reste en dessous, celui-là, Sorigodo et Frécidi. Et alors, quels sont les artistes qui vous ont le plus inspiré dans votre carrière musicale? Moi, personnellement, quand je faisais la 9e, je m'inspirais à partir des artistes congolais, surtout Taboulé et l'African Fiesta International. Rochelle. Et toi, Aliba? Moi, ce qui m'a. J'ai eu beaucoup de bonheur. Ce qui m'a beaucoup marqué, ce que je retiens, la première fois que nous sommes venus à Kindia, au 15e artistique. Ma première sortie, ce jour-là, je ne vais jamais oublier ça. Quand je suis sortie, les gens, tout le monde s'est levé, il y avait d'autres qui montaient même sur les bancs, sur les tables, pour me voir. Ça m'a marqué, c'est ça qui m'a donné beaucoup de courage, ça m'a encouragé. Je ne vais jamais oublier ça. Y a-t-il un orchestre, toi aussi, qui t'a inspiré? Oui, moi, je m'inspirais de Tiala Moana, de Billy Abel, Nayan Kabel. J'aimais beaucoup interpréter ces chansons. À chaque année, j'aimais beaucoup interpréter ces chansons. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites dans la vie, après la carrière, après la musique? Ouais, ça, bon, vous savez que nous, nous sommes en carrière solo actuellement. On vole par nos propres ailes. Et vous savez que je ne dis pas tellement de choses, mais vous savez la vie dans laquelle nous sommes actuellement. Et ce n'est pas facile d'expliquer. Mais tant que l'être humain respire, quand même, il s'inspire et il espère. On n'a pas perdu quand même l'espérance.
nous sommes là, nous sommes optimistes jusqu'à là où nous sommes. Mais ce n'est pas facile pour n'importe quel artiste actuellement en Guinée. Et compte tenu de plusieurs facteurs, on ne peut même pas expliquer ici. Mais ce qui est certain, avec le courage, nous arriverons à bon port. À l'heure là, quels sont les membres de l'orchestre qui sont en vie? En vie? Qui vivent? Qui vivent? Bon. Il y a... Nous sommes deux ici. Il y a Tougué qui est à Télémélé. Il y a Soligodo qui est à Télémélé. Il y a Ansu qui est à Télémélé. Il y a Salut Kanté qui est à Sangaré. Salut, le saxophoniste, lui il est à Sangaré. Nous sommes six. Hein. Ce qui fait l'actualité culturelle actuellement, c'est justement cette histoire d'ancienne gloire. Et ça fait débat dans la cité. Quel appel avez-vous à lancer aujourd'hui au chef de l'État, particulièrement au ministre en charge de la culture, des sports et du patrimoine historique? Voilà, personne ne pourrait parler de l'ancienne gloire et oublier le Téléjazz. Le Téléjazz a été l'un des orchestres les plus anciens de ce pays. Parce que nous avons eu à rencontrer. Il n'y a aucun festival qui se passe sans que le Téléjazz ne soit sur le podium. Avant qu'on ne formait même les Kamaïens Sofa et autres, là, les sextettes de Kamaïens, ainsi de suite, le Téléjazz était là. Il n'y a pas ancienne gloire en Guinée mieux que nous. Peut-être. Les orchestres nationaux, les nationalistes devant nous. Tous, le Oroya Band et le Bembe Jazz. C'était les deux orchestres qu'on a nationalisés. Mais on se frottait entre nous, on se rencontrait. Ils savaient la valeur intrinsèque du Téléjazz vis-à-vis de toutes les formations orchestres africaines. C'est la raison pour laquelle nous tenons à rappeler à son Excellence le Président de la République de nous tenir compte parmi les anciennes gloires de ce pays. Et tenez-vous bien, le Téléjazz a été celui-là qui a hissé le drapeau très haut de ce pays, très haut, sur le Conseil des Nations. Alors, en ce sens, nous demandons à notre ministre, qui est un ami personnel à moi, ça, je ne vous dis pas de le dire, parce que partout il est, je suis avec lui. Toutes les sorties qu'il a eu à faire à Guinée, je suis à ses côtés. C'est de tenir compte de certaines réalités face à l'événement qui se passe actuellement, parce que nous sommes tous confrontés à cela. Mais, quand il quand même renouvelle l'idée, la haute pensée, il saura que vraiment nous sommes de cœur avec lui. Alors en ce sens, il doit faire beaucoup attention à nous, on compte beaucoup sur lui. Madame Diva Piaté, sur la même question, quel appel avez-vous à lancer au chef de l'État particulièrement par rapport aux anciennes gloires que vous êtes aussi? Oui, si j'entends ancien gloire, je n'entends pas notre nom, ça me fait mal au cœur. Parce qu'il n'y a pas un ancien gloire plus que nous. Nous, on a tout abandonné à cause de la Guinée. On a représenté la Guinée au Safra. 10e Safra, le Téléjazz était premier. On a représenté toute la Guinée. On a représenté la Guinée en Gambie, au Sénégal, en Sierra Leone, en Mauritanie. On a représenté la Guinée en Guinée ici. Si j'entends ancien gloire, nous on nous met à l'écart, ça me met mal à l'air et puis ça me rend furieuse même. Ouais, et ensuite, on ne peut pas vous dire d'attendre. Vous êtes âgé maintenant. Nous, on a bu un peu d'eau. Je prie le bon Dieu qu'il augmente pour nous et qu'il nous donne la santé. Mais on est âgé. Au lieu de venir faire des cortèges à notre mort, donnez-nous à l'heure là, on va manger. Envoyer 50 millions, donnez à qui? On va mettre ça dans nos,
dans nos tombeaux pour envoyer l'eau de là. Non. Ça veut dire qu'on va payer les malèques là-bas. Mm. Ils n'ont qu'à nous donner, nous aussi, ce qu'ils nous doivent. Parce que c'est un artiste guinéen dans sa gloire, il est malade. J'entends les gens font quémande par-ci par-là pour soigner. Voilà, ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise. Ça me rend furieuse. Je ne suis pas contre quelqu'un. Mais ce qu'ils nous doivent, nous aussi, nous sommes anciens couloirs, ils n'ont qu'à nous remettre notre part. Moi, je ne prie même pas, je ne dis même pas de les prier. C'est leur devoir de nous donner ce qu'ils nous doivent. Nous sommes anciens couloirs. Notre droit, on doit recevoir ça. Oui. C'est ça seulement moi j'ai à leur dire. Oui. Vous pouvez ajouter peut-être. Oui, exactement. Vous savez qu'au fur et à mesure que tu l'écoutes, tu as envie de faire la réaction tout de suite. Ouais. Mais, quand même, là, le cœur est un peu frais. Elle comprend ce qui se passe. Quand même, elle accepte de se patienter. Et nous sommes là, nous demandons vraiment que le droit soit respecté. Nous avons fait notre devoir. Mais en faisant notre devoir, on réclame notre droit aussi. C'est normal. Merci. D'accord. Djiba. Là. On te voit dans le fou. Harry, il est fou ta. On te voit. Labé. Eh non. On te voit. Est-ce qu'il y a bien déjà de filles? Harry, il est dans le verre d'un fou quand même ou non? Oui, Djada. Et au bidon de Tada, oui, Djibayo, Yidou de Mayanga, Tamaja, Yo, oui, Deyo, Minate, Deyo, oui, Deyo, Mayini, Mawadaina, Tamaja, Kogama, oui, Nari, Kogoga, oui, Nune, Miota. Oui, qui va yo, moi, il dit, ma, moi, yo. Oui,